La folie des grandeurs, le destin tragique de Karin Schubert qui jouait la reine. Plusieurs acteurs tournent mal à un moment donné de leur vie. C'est notamment le cas de Karin Schubert, l'acteur qui incarnait le personnage de la reine d'Espagne dans La folie des grandeurs. Cette dernière a vécu une véritable descente aux enfers. En 1971, une jeune actrice allemande intègre le casting de La folie des grandeurs aux côtés de Louis de Funès et d'Yves Montand. Fort de son succès, le film est régulièrement diffusé sur les écrans de télévision française. Si, par la suite, ses collègues ont eu une carrière florissante, ce n'est hélas pas le cas de Karin Schubert, l'interprète de Marie-Anne de Neubourg, la reine d'Espagne. Au fil des ans, Karin Schubert est allée de mal en pis, et pourtant, rien ne le présageait puisqu'elle était promise à un bel avenir après avoir été repérée dans La folie des grandeurs. Si elle s'est tournée vers le cinéma érotique dans les années 70, avec le temps, elle était de moins en moins sollicitée. À cela vient s'ajouter des problèmes conjugaux qui se soldent par un divorce. De plus, elle doit faire face à des problèmes financiers pour pouvoir soigner l'addiction de son fils. C'est alors qu'elle est contrainte de poser dans des magazines de charme pour finalement se tourner dans une carrière d'actrice de films pour adultes à l'âge de 40 ans. Ne trouvant pas d'autre solution à ses problèmes, elle reste dans ce milieu durant de longues années, entre 1985 et 1994. Désespérée, elle essaye même d'attenter à sa vie à trois reprises. « Je n'ai ni famille, ni amis, ni argent, ni avenir. J'ai voulu mourir parce que j'ai tout raté. Pour les gens, je suis une pute », a-t-elle expliqué. Au fil du temps, son mal-être persiste et l'actrice tente encore de sauter la vie. En agissant de la sorte, elle finit même par faire un séjour en hôpital psychiatrique. Aux dernières nouvelles, elle a fini par s'isoler dans une grande solitude. Ceci dit, elle profite tout de même de la compagnie de ses chiens qu'elle affectionne particulièrement. Et vous, que pensez-vous du drame qui est arrivé à Karin Schubert? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.